Sophie. Bonjour. Bonjour, on a une invitée avec nous, donc oui. Sahar qui est là, qui est make-up artiste. Oui, je fais le maquillage pour Asna aujourd'hui. Voilà, et donc on va recréer ce look, ce super look, et elle va parler français en plus. Oui, j'utilise le français pour 8 ans, mais c'est pas très bien. Non, c'est très bien, tu te débrouilles. Je sais. Voilà, bah écoutez, si vous voulez recréer ce look, regardez la vidéo et n'hésitez pas à la follow, je vous mettrai les liens en barre d'information. Merci. Voilà, et bah écoutez, bon tutoriel. Bye. Premièrement, on va commencer avec les sourcils. Wow, I'm really impressed. Merci, merci. Je vais utiliser ce crayon de sourcils par Hourglass. Couleur est Warm Brunette. Alors, tu commences toujours par les sourcils? Oui. Si je pense que je vais faire un maquillage un peu compliqué, je préférerais commencer avec les sourcils. D'accord. Ah mais vous... Vos sourcils? Vos sourcils sont parfaits. J'ai triché. Non, mais il n'y a pas beaucoup que je peux faire. J'ai un tatouage permanent. Oui, je peux voir, c'est bon. C'était le plus vite, j'ai fini le sourcil. je vais utiliser ce... gel pour les sourcils. Oh, merci. Je sais pas comment on dit gel. Le gel pour les sourcils, oui. La dernière fois, je ne sais pas comment on dit le mot en français. Je savais dire le mot en anglais, mais avec un accent. Je pense que c'est très bon parce que les cheveux dans le sourcil, ça... ça... fluffs it up. What do you want to say? It like makes it look more full. Oh, plein. Plus plein. Plus plein, oui. Plus plein. maintenant, je vais utiliser sa concealer. Anti-cerne. What? Anti-cerne. Anti-cerne. Cerne, it's a... you know, eye bag, yeah, yeah. Ah. So anti-cerne. Anti-eye bag. Yes. Interesting, okay. Je vais utiliser sa anti-cerne par Hourglass aussi. C'est pas nouveau, hein? Oui, c'est beaucoup nouveau. Très nouveau. Très nouveau. C'est arrivé? 1 hour ago. 1 heure. Yes. Je vais appliquer un peu sur mon main. Ma main. Ma main. C'est une bonne couleur, mais je pense que je vais mixer avec un peu de lighter. Clair. Clair. La nuit dernière, je cherchais, comme on dit, pinceau, et j'oubliais même. Alors. Pardon, je ne peux pas faire le maquillage si je suis assis. Yes! Donc, I stood up. I'm sure your fiancé will look this video. Oui. Il doit voir toutes les vidéos que je fais. cette anti-cerne, c'est très bon. Mm-hmm. J'ai utilisé seulement un peu et c'est il tout. Il couvre bien. Oui, il couvre bien et la texture, c'est bon. C'est pas très drying. Sec. Sec, c'est pas très sec. Franchement, tu as un bon accent. Merci. You know, sometimes you can really... Il y a des accents qui sont difficiles à comprendre. Oui. Mais you have a good pronunciation. Merci, merci. Je sais pas. Donc comment, continue. Mais... continue. Merci, merci. À apprendre et à. I think we will only speak French now when we. Okay. So. Oh, okay. Okay. Good for you. Yeah, I would appreciate it. But not good for me because I need to speak English. I need I'll to speak learn. French, you speak English, okay? Je vais utiliser sa palette by Natasha Denona, c'est la Biba palette. Premièrement, je vais utiliser cette couleur, c'est Task, avec un gros pinceau. Pinceau. Pinceau, juste pour appliquer sur tout le yeux. Sur toute, toute la paupière. Maintenant, je vais utiliser sa pencil. Ça crayon. Ça crayon, ça fait une large. La couleur, c'est Blacker. C'est très bon. C'est mon préféré. Ton préféré. Oui, j'ai utilisé beaucoup de crayons noirs pour les yeux, mais je pense que c'est le mieux. Rapidement. J'ai utilisé un petit pinceau et je... What's the blend again? How to say blend? How to say blend? Blend estompé. Estompé très vite et towards the temple. I did not know how to say any of those words. Et vous pouvez voir lorsque je fais comme ça, il y a c'est un eyeliner, mais c'est très léger. Soft, léger, oui. Oh, you want to hear some bilingual French puns?
Hasna, I have three. You're gonna love them. Okay, the first one and my personal favorite is, what are French people's favorite sandals? What? Philippe Philop. Philippe Philop, okay. Celine. I'm sure your husband. Yeah, yeah, I've told my fiance all of these for years and he hates them. Wait, hold on, let me blend this, I have more. Concentration, concentration. Oui, beaucoup. We need a bit further away. So most of the time you do like this for the eyeliner or you... Ah oui, je préfère ça. Ah, tu préfères ça. Oui. Maintenant, je vais utiliser sa palette par Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Instant Eye Palette. Ok. J'utilise la couleur... the middle one from date. Je vais s'appliquer un peu above. Plus haut. Plus haut le crayon. Parce que je veux que lorsque vous ouvrez les yeux, c'est un peu de comme chat. Ah, yeah. Yeah. Your fiancé is not from Paris. He was born in Paris and he lived there when he was growing up. Ah. But then his family moved to Singapore and now they moved back to Marseille. So. But completely the opposite, you know? Yeah, yeah, yeah. Marseille now. Yeah. So before he used to say he's a Paris boy, but now he says he's a Marseille boy. Yeah. And now we have, because you know, the Marseillais have an accent, you know, when they speak. Oh, okay. Yeah. You can... You can really, you know? You can hear it? Very nice. Okay. Je sais pas, I can barely hear. I barely hear when people talk French. Okay. Je vais utiliser le crayon du eyeliner encore. Je vais s'applique sur... Le ras de cils. Le ras de cils. Le ras de cils. Ouf, that's a tough word. Did you put inside or only inside? Oui. Je vais utiliser la couleur un peu darker. Encore sur la Pillow Talk palette et sur le dit. J'ai utilisé ces trois couleurs. D'accord. I really like it. Sometimes when I want to say something in English and I don't know, yeah. I will try like, you know, French, yeah, something. Yeah, yeah. Une couleur plus foncée. Couleur plus foncée. C'est bon? C'est bon. On approche la fin. On approche de la fin, non. On a encore tout le temps. My hair? Oh, c'est très bon. Ok. C'est le pinceau que j'ai utilisé à premier moment pour appliquer le antécédent sur le paupier. Maintenant, je vais utiliser le même pinceau et je n'utilise pas le antécédent. Je fais seulement un comme stamp. This will brighten up the lid. Do you have curly hair? Yes. Yeah, I can tell. You know? Because your lashes are so naturally like curled up. Que toutes les personnes n'utilisent pas le fossile. Exactement. So, c'est bon. Je vais utiliser cette gel hydratant temps rosé. C'est un correcteur ou juste un gel? C'est un gel, c'est hydratant, mais il y a un peu de glowy. D'accord. Oui. C'est bon pour les... I know how to skate in test. Les peaux combinations. Mixed. Mixed, oui, parce que c'est pas très hydratant. Yeah. On va tester cette couleur de fond de ton. C'est 34 medium sand. 34? Ouf. 34. So I apply the most where you need more coverage, and then the rest of the places I kind of just like join together. Oh. That way it looks like you have full coverage. Where you need it, but it's not like heavy because that's what you need for this climate. All right, look here. You will feel tired after this video. Yeah, I know. Enough brain for today. Je pense que le visage doit être un peu plus foncé, donc j'utilise ça. C'est par Fenty Beauty, c'est le matte stick fond de ton mat à une truffle. J'applique un peu sur le mat. Comme ça. Non, c'est pas un peu, mais j'applique trop et j'utilise un pinceau comme ça et je fais comme ça. Je tapote. Oui, je tapote et j'applique un peu pour faire le contour, le bronzer et aussi c'est le pinceau que j'utilise pour le estomper. C'est la même chose, il y a un peu de fond de teint sur le pinceau, c'est bon. Ça m'aide lorsque je fais le stomper. Hasna a
très bons cheekbones. gentle pressure, how do I say that? Oui, en tapotant doucement. En tapotant doucement. 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 Gentle, yes. Ah, douce. I know, douce. Maintenant, j'utilise cet anti-cerne par Hourglass encore. Le couleur est beach. not bitch, it's literally B-E-E-C-H. Ah, c'est très bon. C'est de poudre ou crème? Crème. C'est crème? Ah, c'est crème. Yeah, okay, il d'accord. Y a deux... il y a une crème et trois poudres. Trois poudres, ok. Mais elle a dit que c'est bon si tu utilises la crème et le poudre après la crème. D'accord. Donc, je vais essayer. Si ça ne marche pas, parlez avec Natasha Denona. Maintenant, je vais appliquer la poudre pour le visage. Elle n'a pas besoin de beaucoup, mais je vais appliquer un peu sur le cerne et le T-zone. J'utilise sa bronzer powder, juste pour ajouter un peu de glow. Alors, après utiliser beaucoup de poudre, je vais utiliser un mist et ça va... It'll stop the face looking chalky. Et j'utilise beaucoup. Un peu sur l'intérieur des yeux. Ah, pour le rouge à lèvres, vous voulez rouge ou nude? Nude. Nude. On peut essayer les deux. Alors, maintenant j'utilise le crayon à lèvres de Kat Von D. J'utilise Lolita premièrement pour le nude. Ce crayon, c'est très joli. La couleur est... Sa couleur j'utilise est Pillow Talk, aussi par Charlotte Tilbury. C'est la même collection que j'utilise le Forte Popé sur les yeux. Oh, c'est très joli. Alors, pour finir, j'utilise un peu de gloss. Trop joli. Habituellement, je préfère utiliser un peu de glitter sur les yeux, mais je pense que c'est bon comme ça. C'est quelque chose que les personnes peuvent recréer. Alors, un peu plus de mascara et on va finir. Je crois que c'est parfait. Oh, merci, merci.